grand méchant renard pour dessiner. C'est assez simple en fait, c'est des personnages que je dessine de manière ultra rapide, ultra spontanée. Donc en fait, je ne me préoccupe pas vraiment d'avoir un dessin réaliste, j'essaie juste d'avoir un dessin qui... En fait, je m'arrête à partir du moment où on comprend que le renard est dessiné, quoi. Et du coup, c'est-à-dire que je vais pas me casser la tête à faire voilà, tous les poils du torse, des trucs comme ça. Par exemple, là, j'ai juste mis les dents pour montrer un peu à quoi qu'il a des petits crocs, mais tout rond, enfin, des trucs comme ça. Hop. Et pareil, le dos, alors on le fait toujours un peu voûté. Il faut vraiment essayer de trouver en fait tous les codes graphiques qui font que le renard a l'air un peu débile et un peu tout mou. On peut y rajouter aussi des petites cernes parce qu'il est un peu mou comme personnage. Hop. Et en fait, c'est une technique que j'ai vraiment développée pour aller très vite et pour raconter très rapidement des histoires. Je la compare souvent à une forme d'écriture, en fait. C'est-à-dire que je ne me casse pas la tête à dessiner les personnages de manière de manière réaliste, avec plein de détails dans tous les sens, parce que c'est un peu comme si j'écrivais des mots, en fait. C'est-à-dire que je vais vraiment juste, avec quelques coups de crayon, dire ce que je veux dire, mais pas faire plus que ça. C'est-à-dire que je vais pas détailler, je vais pas me casser la tête à avoir comment dire, des détails superflus qui raconteront rien, en fait, sur l'intention du personnage. Hop, là, je lui mets ces petites pattes noires. Et c'est-à-dire qu'en fait, avec le dessin comme ça, je peux vraiment, en trois coups de pinceau, dire plus que ce que je pourrais dire dans une seule phrase. Hop. Donc voilà.